Odet de Mal avait écrit à l'arrière de son roman La Grande Beuverie. Alors que la philosophie enseigne comment l'homme prétend penser, la beuverie montre comment il pense. Je vais vous lire quelques extraits de ce roman. Il était tard lorsque nous bûmes. Nous pensions tous qu'il était grand temps de commencer. Ce qu'il y avait eu avant, on ne s'en souvenait plus, on se disait seulement qu'il était déjà tard. Savoir d'où chacun venait, en quel point du globe on était, si même. C'était vraiment un globe. Et en tout cas, ce n'était pas un point. Mais du jour, du mois, de quelle année, tout cela nous dépassait. On ne soulève pas de telles questions quand on a soif. Quand on a soif, on guette les occasions de boire et pour le reste, on fait seulement semblant d'y faire attention. C'est pourquoi c'est si difficile après de dire exactement ce que l'on a vécu. Il est très tentant, lorsque l'on rapporte des événements passés, de mettre de la clarté et de l'ordre. Là où il n'y avait ni l'un ni l'autre. C'est très tentant et très dangereux. C'est ainsi que l'on devient prématurément philosophe. Je vais donc essayer de vous raconter ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est pensé, comme c'est venu. Et si tout cela vous paraît d'abord chaotique et brumeux, prenez courage! Ensuite, ça ne sera que trop clair et trop ordonné si la clarté et l'ordre de Mauricie vous paraissaient sans substance. Rassurez-vous, je terminerai par des paroles réconfortantes. Dans mon demi-sommeil qui suivit, à travers les étoiles rouges d'un cauchemar, je vis une salle vide, propre, brillamment éclairée, qui était contiguë à la nôtre et que je n'avais pas remarqué auparavant par une large porte ouverte. J'aperçus Toto Chabot déguisé en autruche. Comme un chasseur bushman qui s'était réservé cette pièce, quelque chose comme la salle d'armes sans armes d'un château féodal pour... y recevoir des visiteurs de marque. Trois hommes étaient avec lui, marchands et conversants. Je reconnus François Rabelais du premier coup d'œil. Bien qu'il se fût déguisé d'un habit de nonne, avec une cornette ample et planante, semblable à la bande marine, cette raie sinistre. Sauf que la couleur sombre était produite sur la minon par l'innombrable mouchetures d'inscriptions hébraïques. À la place du trousseau de clés et du rosaire pendé dans les plis bleus de la toile, un très vulgaire coupe-chou. Le second personnage, au ventre ovale et mince de l'once poisson, sein du blanc costume de l'escrimeur, l'œil de guêpe, la moustache de miel aux pointes peintes en vert, le fleuret démoucheté, c'était Alfred Jarry. Je l'entendus expliquer que si les bas de ses pantalons n'étaient pas agrafés de pattes de langouste, c'est qu'il portait culottes et bas blancs,
C'est d'ailleurs tout ce que j'ai pu saisir des propos des quatre personnages. Le troisième était Léon Palfard, en costume d'amiral, qu'il avait ornementé de nombreux galons supplémentaires. Il portait le bicorne en travers et avait remplacé l'épée par le sabre d'abordage. Alors, il avait tantôt un menton, tantôt à la main une barbe arménienne postiche, et selon les moments, les nœuds, les courbures de la conversation, son visage passait du glabre au velu et du poilu au rasé, comme par les phases étonnantes d'un astre humain errant. C'est dommage que j'ai entendu si peu de ce qu'il se dit. Personne ne remarqua les trois personnages, ni même la salle où ils devisaient. Quand j'en ai parlé aux autres, ils m'ont ri au nez. C'est pourquoi, et à cause de 100 exemples du même genre, je maintiens que nous nous figurons tout à l'envers. Et constater cela me fait espérer. Mais ici encore, cette espérance vous semblera désespoir. Cette croyance que j'ai en la puissance de l'homme vous semblera misanthropie et pessimisme. Tiens. En disant ces mots, j'entends qu'ils résonnent dans ma tête comme des coquilles vides. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui font resservir des coquilles d'escargot en les remplissant de colimaçons factices taillés dans le foie de veau. Je dois conclure là-dessus le grand discours que je vous avais promis sur la puissance des mots, car j'ai plusieurs choses urgentes à faire. Alors, nous nous levâmes tous, car il y avait pour chacun de nous plusieurs choses urgentes à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour vivre. Je suis mort. Parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaye pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaye de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. Désirant devenir ?